L'opération séduction a réussi. Le Niger est parvenu à récolter 4,8 milliards de dollars à l'issue de la table ronde organisée à Paris les 13 et 14 novembre. C'est même un peu plus que les 4,7 milliards dont ils avaient besoin pour financer leur plan économique. Mon sentiment est un sentiment de satisfaction. Cette table ronde nous a permis vraiment de voir à quel point le Niger a retrouvé toute sa crédibilité. Niamey pourra donc mettre en place ce qui constitue son cadre de référence en matière de politique économique et sociale. Baptisé PDES, il repose tout d'abord sur une réforme des institutions par un renforcement de la gestion des finances publiques et la planification des actions de développement. L'amélioration du système juridique et l'accès au financement visent quant à eux à améliorer le climat des affaires. Le développement agricole permettra enfin d'assurer la sécurité alimentaire. Un plan quinquennal estimé à 10,8 milliards d'euros qui semble donc avoir convaincu les nombreux bailleurs de fonds. Les 6 milliards restants seront financés par Niamey, mais d'autres opérations sont déjà annoncées. Nous allons également entreprendre les mêmes efforts de mobilisation de ressources internes. Et à travers la mobilisation de ces ressources internes, un des éléments également serait la mobilisation du marché régional. Et donc, il est parfaitement prévu que nous allions effectivement aussi sur un programme donc de la durée du plan, faire face également à des demandes, à des mobilisations de ressources sur le marché obligataire régional. Le PDES devrait permettre de doper l'économie du pays. Si la croissance s'élevait à 11% l'année dernière, le pays est classé au 186e rang par le Programme des Nations Unies pour le Développement.